Salut à tous, bienvenue sur ma page Facebook L'Océanie pour les Zéros. Je suis spécialisé sur l'Océanie depuis 2012. J'aide les backpackers qui partent en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et là, depuis 4 mois, je suis en Calédonie pour développer le contenu Calédonie. Je suis actuellement sur l'île d'Ouvéa, l'île la plus paradisiaque, on va dire la plus proche du paradis. Et c'est un petit paradis sur Terre. Mais aujourd'hui, je voudrais faire un gros coup de gueule. J'ai passé donc une bonne heure ce matin à ramasser les poubelles sur la plage centrale. Et franchement, cette plage, juste derrière là, c'est juste un petit paradis sur Terre. C'est de l'eau turquoise, du sable fin. Mais pourquoi il y a des gens qui balancent des canettes? Pourquoi il y a des gens qui balancent des bouteilles, des détritus, des couches culottes, voilà, des couches pour bébé? Regardez, je vais vous montrer concrètement ce que j'ai ramassé en une heure. Regardez en fait l'état dramatique de la situation. On ne se rend pas forcément compte parce qu'on voit des plages, etc. Les gens balancent des canettes. Mais sauf que ça met des années à détruire, des dizaines d'années, des centaines d'années, j'en sais rien, je ne suis pas spécialisé sur la destruction de matériaux. Mais vraiment, faites attention, ne balancez pas les poubelles, c'est pas une poubelle la nature. Prenez avec vous et jetez dans les poubelles chez vous, dans vos hôtels, dans les restos, mais pas dans les plages, pas dans la nature. Ça, c'est pas bien ça. Ça, c'est vraiment un gros coup de gueule et j'espère que ça va être partagé en Calédonie. Vraiment, je compte sur vous pour partager, faire passer ce message, parce qu'on l'oublie souvent en fait. On oublie que la nature, c'est pas une poubelle et que si on continue comme ça, en fait, la nature, elle va totalement disparaître. Déjà que l'île d'Ouvéa, elle va disparaître dans quelques dizaines d'années ou quelques centaines d'années, parce qu'en fait, elle est en train de se faire ronger par la montée des eaux. J'ai discuté avec pas mal de locaux, cette île va disparaître dans quelques centaines d'années. Mais ça, c'est encore pire parce qu'en fait, on pourrait le contrôler. En fait, on pourrait vraiment encore plus le contrôler. Ça, c'est des petites actions. Il y a les gens, ils balancent des canettes comme ça, et du coup, bah, c'est ça. C'est plus simple de balancer des canettes que la prendre avec soi et de le mettre chez soi, quoi. Alors que c'est ultra, voilà, c'est beaucoup plus. Il y a rien de compliqué, quoi. Ne jetez pas. Voilà. Donc j'ai mis tout ce que j'ai ramassé. Donc voilà, j'ai pris un sac noir là et j'ai au camping de Likin. Et j'ai mis tout ce que j'ai ramassé en même pas une heure. Franchement, j'ai pas de montre, mais en même pas une heure. Voilà. Faites passer le message, les amis. Voilà. N'hésitez pas donc à me suivre sur Facebook pour continuer à suivre mes aventures. Et surtout, faites passer le message et partagez.